Bulu Alpha, c'est en fait une des rares bonnes cartes que j'ai. Du coup, j'ai envie de le garder en main. Vous voyez? J'en suis à ce point-là. Je suis au point, j'ai tellement de la merde que si j'ai une bonne carte, bah je vais bien. J'ai bien envie de la garder, hein. Parce que genre Kaamote, bah super. Je vais pouvoir poser une Kaamote T2, ça me servait à rien. Après, je peux poser Kaamote en PA pour enchaîner avec Full Moon. Et la Kaamote va passer à deux attaques. Oh, s'il n'y a pas des stratégies ici. Au pire, si je fais pas forcément PA Full Moon, si je joue rien. Parce que vous voyez, normalement, là, c'est qu'il aurait une créature qui peut être posée gratuitement ici. Et moi, je peux pas la défendre. Mais là, la Kaamote, elle va passer à deux attaques. Bon, je vais sûrement Full Moon devant son Scarabrut. En plus, le Scarabrut qui va passer à un attaque. Grâce au... Enfin, au Darkly Moon, pardon, pas Full Moon. Darkly Moon. Vous voyez? Et là, on a le Bernardo. Du coup, on a gagné. Bernardo, c'est une victoire. Vous pouvez demander... attendez. Vous pouvez demander aux gens sur le Discord communautaire CrossMaga. N'hésitez pas à y aller faire un coup d'œil. On parle toujours de CrossMaga, c'est très bien. Ah, Bernardo, c'est win, hein. Ah, je vais poser un Eliacube ici pour pas qu'il trade. Eliacube, sous Full Moon, franchement. Là, j'ai une belle sortie. Je comprends pas comment ce deck fonctionne. J'ai un putain de deck, il pue ses morts, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout s'enchaîne parfaitement. En fait, c'était ça pour toucher le savoir ultime. Fallait putain de suivre ChatGPT. En fait, non, je pense que c'est le challenge qui est parfait pour moi. Parce que moi, je suis un putain de chanceux. Alors, quand tu fais un deck aussi nul, tu vois, t'as un seul truc, c'est la chance. ChatGPT me dit, vas-y, régale-toi, frérot. Et là, en plus, je vais pouvoir faire un petit 6, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. OMG. Moi, je perds un PA, mais ça permet à ce qu'il casse aucun prisme avec avec son Malo Book. Et c'est vrai que lui, il est passé en 1-1. Bon, ça a fait un taf, mais ça a aussi fait un contre-taf, mais... Voilà. Malheureusement, le Bernardo qui va sacrifier sur le Fort Furieux. J'aurais dû faire plutôt JCC. Et Bernardo de part, parce que... sachant que lui, il a l'air passé en 1-1. C'est vrai que ça peut être une erreur. Le shield ici qui sert à rien. Bon, il perd 1 de puissance, mais ce n'est pas très grave. Ah, c'est vrai que lui, il a perdu en puissance. Avec le, parce qu'il s'est fait blesser. L'idée, c'est de épée céleste, hein. Le truc, c'est qu'épée céleste ici butait mon Darkly Moon. Et ça tuait mon Bernardo aussi, du coup, j'aurais pas pu prendre le trade. Du coup, épée céleste, là, c'était nul. L'idée, c'était souvent de faire épée céleste ici. Je me disais, ça sert à rien de faire épée céleste alors ce tour-ci. Je peux attendre un tour. Et dans ce cas, je vais mettre une pression avec. Ici, le bouffe tout céleste. Ouais, j'ai un deck céleste moi. Oh. Est-ce que j'ai une épée céleste à faire. Faire là, le truc, c'est que ça bute lui. Ah. Mettre Chuchot sur lui. Bah, l'épée céleste ici, elle me paraît LNT, hein.
Enchaîner avec un peu hop. Fort ancestral là. Et à lui il récupère un vrai. Ah oui, mais c'est vrai qu'avec le Darkly Moon, du coup, il passe à 7 de puissance et tu m'en bouffes tout céleste. Dommage. C'est vrai que j'avais zappé ça. J'ai larve verte. Oh, larve verte, ça peut. Ça peut faire des trucs, hein. S'il pose un 3 attaques ou moins ici, hop là, je tape le Dofus. Ou sinon, je peux tenter le 50-50 avec le Gis. Vous voyez. Larve verte là, et me dire que j'ai 50% de chance d'aller ici pour taper le Dofus. Là. Force Cœur, c'est vraiment déjà une carte de merde de base. Alors en draft, c'est vraiment nul. Hein. Et du coup, là, il a rien défaussé. Défausse une carte aléatoire de votre main. Ça va pas dans le cimetière, défausser une carte. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé là, mais. Ah, je vais tenter le 50-50, hein. Oh, let's go. Facile ce jeu. Et je pourrais poser un ruel derrière la larve verte. Pour prendre le value sur le Forzerker. Oh, il a ça qui bute mon Gis. Mais qui a pas buté mon Fourreur. Il a pas posé le butin là parce que bon. C'est un peu con, mais ça va rien changer parce que je vais pas pouvoir récupérer son butin, mais sur une charge ou intimidation, j'aurais pu le faire. Mais là, le fait qu'il ne joue pas de créature ici, bah, je vais pouvoir récupérer le butin. Chiche, le Tiwabi de Thanos qui va pouvoir charger. En apparition. Bah, je fais ça. Hein. L'idée c'est qu'avec seulement un fléau qui revient, genre elle est quand même létale au fléau ici. Règle au cochon, il défend pas le fourreur. Ah si, il a un bougon. Ah ok, bah t'as un bougon. Ça va un peu mieux, mais. Pour moi ça reste nul, mais. C'est un minimum acceptable. Moi. Le dragon cochon, par contre, il va pouvoir faire un tout droit ici. Mais ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Moi j'ai le ruel à 5. Je vais effectuer un grand pas ici. J'ai pas besoin de triple fléau tout de suite. L'Eliacube qui sert. Bah l'Eliacube qui était en 7-7, c'était assez sympa. Mais bon, il sert. Attends, mais là il tue mon. Il tue Bakawot et du coup j'ai une chance de défendre. Ah non, parce qu'il tue les Diacubes à côté. Ça servait à rien en fait, il aurait rien fait. J'aurais dans tous les cas pas pu défendre parce que j'aurais pas pu invoquer de créature. Vous voyez. Du coup là il a juste perdu des ressources pour rien. Mais soit, lui il va prendre le Dofus. Mais j'avais déjà accepté qu'il prenne le Dofus. C'est ça le truc. Le Kibri qui est vraiment chiant ici. Parce que ça lui donne le value là. Ça fait mal, mais ça dev pas ici. Du coup, avec un sur un Gis, dommage. Et faire ceci, je pense. Sur Elixir, il passe pas. Dans tous les cas, au pire, il prend juste un vrai. Moi, je menace quand même avec ma 4-1, avec ma 3-2. Malobook, pioche antique, évidemment piocher après. Mais en fait, les adversaires, j'ai l'impression qu'ils ont des mauvaises drafts et je joue mal. Et du coup, je gagne. Comme quoi, avoir une draft ChatGPT, c'est pas ça qui fait gagner ou perdre. Hein. C'est le talent, évidemment. Et avoir la chance. J'ai quand même de très belles réussites sur mes cartes piochées, etc. Mais le talent.
Bah vous voyez là le truc c'est que j'ai des cartes qui servent à rien comme ça. Xena c'est aussi une carte qui fait juste perdre une pioche. Tiens. Là j'ai juste des créas qui sont déjà avancés sur ces trois lignes, j'ai rien à jouer. Hein. Champion coulant c'est un peu chiant. Il me révèle ici que c'est un faux du coup. Mais attends mais du coup il me laisse un reveal avec, tu vois il me laisse 5 fléaux. Et le fait que là du coup je vais pas caster mes fléaux ici. Ça c'est un mauvais refresh. Ça m'a vérifié. Il me retire une carotte. Le gars, il aurait pu fratrier les mulots alpha. Il m'a retiré une carotte. Oh les shit. Que puis-je faire maintenant? Qu'il m'a retiré la carotte. Non, pas la carotte. Tout est perdu maintenant. Hein. Putain. J'ai pas envie. En fait, j'ai tellement peu de cartes en main que j'ai pas envie de faire un souffle qui me fait piocher qu'un. J'ai un bon jab, je vous dis qu'il peut surprendre. Ça a seulement un HP. Je pense pouvoir la tuer après. C'est à dire si je pioche une créature quoi, mais si je pioche des spells ça va être quoi, Rock Nocéroc, Épée Céleste, ça permettrait quand même de buter Arpa. Il va, est-ce qu'il va hop sur le pissenlit? Est-ce qu'il va orb sur Xena par peur que je vous déyop? S'il casse un orb sur Xena, j'éclate de rire. Nécrophoreur. Vas-y, un orb là, je t'en supplie. Oh, je t'en. Ah non, il casse juste un fléau ici. Ok. Et du coup, il ne casse pas d'orb. Et. Ouais. Il a 3 créatures, j'en ai 4. Donc, du coup, je pense au nom. Mais... Ah, yeah. Faire ceci. Vous voyez là le jabs ici il est un peu plus intéressant. Et à lui du coup qui passe à 3 HP qui se fait pas orbe. Il pose une créa là, j'ai perdu un Dofus. Hein. Moi je tiens à rappeler les faits. Il pose une créature ici, j'ai perdu ce Dofus. Mais le gars il le fait pas depuis tout à l'heure. Bah vas-y frérot. Hein. Bien, bien. Oh, c'est super, elle me donne un souffle. Par contre, un peu chiant quand même la toolbox juste ici. Hein. Mais il me donne un souffle. Virilité. Attends, est-ce qu'il y a un truc à faire avec virilité? Ce serait ça, attends, oh je peux le passer son attaque à 3. Attends non mais dans tous les cas il va se faire buff par virilité. Du coup autant baisser l'attaque de lui. Comme ça avec virilité, là je prendrai le value trade. Et là je prends le value trade. Et continue à caster un fléau ici. Hein. Je pose lui là pour prendre le value sur le corbax. Je prends le value là, je menace ici, je prends le value là. Ça qui est du coup mettre ton buff. Et il me reste plus qu'un fléau en main. On va dire ici c'est un vrai hein. On va espérer sur ça hein. Il a quand même des problèmes à tanker le dead game hein. Ouais s'il fait juste un trip. Cupidité, ça c'est vraiment une carte qui sert à rien en draft. J'ai vu ça hier aussi, quelqu'un qui jouait Cupidité en draft me disait oh merci frérot. Tu joues une carte qui te fait je perds une carte de ma main. En draft, la value c'est tellement important, tu peux pas jouer des choses comme ça. Quatre zéro.
J'y crois pas, les amis. J'ai encore gagné. Contre un événement ultra avec un deck plutôt bon. J'étais en grosse galère. Mon deck tient mal la durée. 36 en draft. C'est très important. Mais j'ai réussi. Grâce au fléau. 9 ChatGPT, il a compris le méta qu'on pouvait pas comprendre. C'est incroyable d'être à 4-0, surtout face à un truc. Les fléaux qui ont plein de ressources. Blablabla. Tu es capable de t'adapter et trouver des solutions. Comment te sentir après un tel score? Es-tu motivé? T'as des scores encore plus élevés. Il a compris une méta qu'on pouvait pas comprendre. Ah, ça c'est sûr. Il a compris un truc au jeu. Et il a compris la méta qu'on pouvait pas comprendre. C'est-à-dire, les adversaires sont trop nuls en ça. Là, je fais 3 défaites. Je suis pas les 3. Vous vous rendez compte? Avec un deck comme ça, le ChatGPT il a fait pas Magmog, pas Marker, pas P-War, pas Bump. Hein? Vas-y, prends tes murs là. Et pouvoir travailler avec un Watt et Liacube là. Prends tes murs. Là. Je fais pas les 3. Minimum. C'est... J'en reviens pas. Aïe, c'est grave. Épouvantrail, je le garde même pas en mode départ. Non, je vais quand même pas garder le... Lui. Aïe 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 aïe. Qui l'eût cru? Il a tenté de me nerfer en fratrie les Kawot. Ça n'a pas suffi. Kawot plus fort que tout. Camo supérieur au monde. Mais qu'ils essayent de m'arrêter. Mais qu'ils essayent. Oh là, là c'est autre chose, hein. Bah maman, héhé, là, mais c'est vrai, c'est ma première défaite. Tu vois, là, c'est une game comme je pensais que ça allait se passer. Parce que c'est vrai qu'on a fait, on a fait, tu vois, sur le 4-0, on a fait 3 games. Comme parce que Lut, c'est un FF précipité, tu vois. Donc bon, c'est pas vraiment une game. Mais, du coup, sur les 3 games, je réfléchis un peu à ce que je voulais dire. Sur les 3 games, on a eu 3, quand même, même si les adversaires, ils avaient une très bonne sortie, on a eu des top decks de fou, on a eu des bonnes sorties. Tu vois. Là, c'est la normale. En plus, là, le King Rubim qui reveal un vrai, qui retire la pioche. On a envie de se buter une couille. Ouais, cela tuer la couille, carrément. La couille, elle mérite pas de vivre. Oh, la trouvaille, en plus, ça fait plein de value. Et la mode Nidas. J'ai l'impression d'être en ladder, en fait, je vois quelqu'un, il me fait un scar à fond, coffre. Tu vois, genre les Elutrophes un peu drôles qui jouent avec des butins, mais c'est pas excellent. Tu vois, genre scar à fond, coffre, Kiroubib, Trouvaille, Bandidas. Je suis désolé, c'est du ladder. C'est du ladder où je m'y connais pas.
Là, je vais faire. Non, je vais faire juste un chef de guerre ici. Je me disais, genre, justice là, comme ça, il prend immédiatement le Dofus, il s'en part dans le deck. Genre là, il m'a pris un vrai et il a un autre vrai reveal. Triste vie. Pioche antique. Ça avance dans son pack. Serait-ce ma première défaite? Avec la draft ChatGPT. Je veux pas y croire. ChatGPT. C'est le jeu. Tu vois, le jeu il a commencé à capter la puissance de ChatGPT. Il commence à tricher. Il commence à donner les cartes parfaites à Zanetta. Tu vois, là il a donné un deck de. Et tu vois, le jeu il a fait passer. Vas-y, vas-y, prends ton deck de ladder là. Je joue le en draft. Il faut battre le ChatGPT là. Ça fonctionne plus. Il va casser le jeu, tu vois. Genre, le jeu il a eu peur. Il commence à tricher. On nous la fait pas, on nous la fait pas. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Lui, le vendre node. Bien, bien, très bien ça. Oh la node, comment elle m'aurait cassé les couilles. Dehors. Oh, est-ce qu'il a oublié que ça avait 2 PM? Et du coup, ça se prend pas les dégâts du petit Ogrest. OMG. Le jeu triche, mais pas le joueur. Vous allez voir. Le jeu, il a donné un deck de ladder à l'adversaire. Mais vous allez voir, je vais quand même réussir à sortir mon épingle du jeu et à remporter cette victoire. J'y crois dur comme fer, on va dire. À faire un peu ramolli, tu vois. J'y crois dur comme fer ramolli. J'y crois dur comme. J'y crois dur comme azote, mais. Ça va le faire. Ah bah non, ça va pas le faire. Ça va l'azote, mais. Ok, ça forçait une pelle. Ah là, c'est con, hein, t'as plus la main de Nidas, hein. Ah, le petit pelle passe, quel play dégueulasse, j'adore. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Et en plus, il y a ça qui arrive. Ça alors qu'un chef de guerre bouffe tout là dans ma défausse. Ah non, mais par contre là. Attends, 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 des air boss. Mais ma virilité qui va permettre de prendre un value trade ici. Ah non, parce qu'il fait ça. Mais soit tu pourrais faire une puissance pour prendre le trade neutre. Ce serait ceci. Prends le trade neutre ici. Il y a le. Elle bouffe tous ces lestes qui avancent. Il y a eux au passage qui ont gagné du coup un petit point d'attaque. J'ai toujours une virilité. Et la puissance qui. Vous voyez, ça donne des cartes de merde, mais j'arrive à y trouver une utilité à ces cartes de merde. J'arrive à trouver des situations où ces cartes de merde, elles m'avantagent. C'est trop chouette. Élixir, ouais, mais moi avec virilité je vais pouvoir reprendre un value trade ou alors j'ai justice. Il y a moyen que ça soit justice plus virilité. Après, peut-être pas, parce que c'est que comparé à puissance qui est seulement dans ton camp, virilité c'est aussi dans le camp adverse. La puissance c'est totalement de la merde et c'est un sort qui coûte 1 PA. Virilité ça coûte 5 PA. Il y avait des idées pour la bêta, durant la bêta, genre passer puissance à 3 mana et qui donne plus de attaque aux invocations présentes dans ton camp, tu vois. Je trouvais ça sympa, mais bon, ça n'a pas été retenu, c'est compréhensible quoi. C'est sympa, mais c'est pas obligatoire, c'est pas excellent, t'as mieux à faire. Ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'il aura un potentiel létal au fléau?
peut faire ceci. Voilà. Je crois pas qu'il ait des talons fléaux. Hein. Normalement, il aura 4 fléaux avec un refresh. Bon, ça doit espérer qu'il n'y ait pas d'avro sac ou de ratchet, hein. Mais bon. Dans tous les cas, s'il a un d'avro sac ou ratchet, c'était jalouse, hein. Mais. On va voir ce que ça pourra faire. Et fléchis longtemps. Ça fait king. Là, la virilité. Oh oh oh. Qui donne à Felida un value trait sur la. Sur la canne. Oh non, le dressage. S'il n'y avait pas de dressage, j'avais un larve verte en légende. Précis, j'ai un chef de guerre bouffe tout. Une cavotte. Ah non, mais du coup, la virilité qui me donne pas le value trade. On peut le faire monter à 4 de puissance, mais pas 5 malheureusement. Bon là il peut... En fait il peut me faire perdre la pioche, c'est assez chiant. Mais je pense que j'ai besoin de maintenir une pression. Creuser. Ah, c'est dommage ça, creuser. Ça tue mon GM. Mais hé, le petit Wabi de Thanos qui va charger d'une case. Hein. Le gars il s'épuise quand même. Vous voyez, genre ils font pas des très bonnes drafts où ils jouent pas très bien leurs ressources. Et du coup ils finissent par s'épuiser. Ah, Kamasutar, ça c'est vilain. Hein. Et en plus, sous la creusée, dans ce cas, ça veut dire que je pourrais pas... Attends, non, mais je peux larve verte, bon, habite infernal. Sinon. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il était à 4 HP, je le passais à 5 HP avec virilité. Ou alors, il faut que je pioche... Oh, s'il pioche un autre... Seconde kawotte et... Imaginez, là, j'ai un gros power beat. Ou une kawotte, et là, ça carry. Genre, j'ai un gros power beat, une carotte. Là, le jeu, il change tout au tout. J'ai un espoir méchant là. J'ai un espoir, il est méchant. Oh, mais j'ai un gis. Ça sert à rien de larve verte si j'ai gis. Tu vois. C'est vrai que lui il va crever du Wabit infernal. C'est pas important. Il veut jabs ici. Bon comme ça ça tue le gars. Je commence à caster des fléaux. Et j'aurais potentiellement larve verte sur justice alors. Incroyable. Non. Non. Mais je vous dis, le jeu il a triché. J'avais win. Le jeu il a réellement triché là. Maman, c'était gagné.
C'était gagné ce match, c'était gagné. Bon.